Bonsoir et bienvenue, merci de nous être fidèles. 50 minutes inside, regardez avec Sandrine Quétier. Bonsoir Nico. Vous avez vu comme elle est belle? Bonsoir à mal, tous. Non, c'est vous. Non, regardez-moi ces petits trois. Vous avez rencard. Ce petit décolleté. Vous avez rendez-vous. Et puis ce petit cœur là-bas. Ça suffit. Ça donne... Allez, on démarre tout de suite avec Planète People. Qu'ont fait les stars cette semaine? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Réponse avec Mathieu Drouin. Et vous, je suis sûre que vous avez rencard. Pas du tout, vous m'avez sorti un peu le décolleté quand même. Je voulais vous en parler. Avec presque 3 millions de spectateurs, le phénomène de l'année. Isabelle Nanty, Christian Clavier en prof totalement dépassé, mais surtout Kev Adams, la jeune star montante de l'humour, pour la première fois dans un grand rôle au cinéma. Derrière ce succès se cache un ingénieux choix d'acteur, Valérie Lussang. En 30 ans de carrière, il a souvent chancelé, mais il n'a jamais lâché. Il en fait encore la démonstration ces dernières semaines avec le carton d'Oblivion. Tom Cruise, c'est une puissance, Nikos, jamais démenti. Et pourtant... En seulement 3 ans, Je veux. Figurez-vous qu'on l'a chanté un peu partout dans le monde, Je veux. Et oui, alors que son deuxième album sortira lundi, nous avons rencontré Zaz, du haut de ses 33 ans. Comment cette jeune femme repérée dans la rue a-t-elle vu son destin changer du tout au tout? Le portrait est réalisé par Olivia Fabresse. Attention, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de gagner un voyage pour 2 personnes, pour un petit week-end, et ce, dès demain, vous voulez. Un petit week-end à Rome avec un ami ou une amie? Non, pas là, je suis pas libre. Alors, si ça vous... Étincelle. Parce que c'est une étincelle, elle toute seule, par Sandrine Quétier. Allez-y. Alors, en 2009, Zaz interprète pour la première fois une chanson qui va la rendre célèbre. S'agit-il de 1, La Fée, 2, Je veux. Vous connaissez la réponse, vous appelez dès maintenant le 3680 ou bien vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 71414 le nom du gagnant en fin d'émission. Bonne chance à tous. Est-ce que vous saviez que Steve McQueen... A tout de suite. C'est la seconde partie de 50 Minutes Inside. On continue bien sûr avec Christophe Beaugrand, People Police. Alors là, ce sont les vacances, donc lui, il a envie de faire que des choses drôles. Ah ouais, il a inauguré des boîtes de nuit. Vous le voyez inaugurer des boîtes de nuit, papa? Il a essayé de prendre des cours de cuisine et des cours de chant. Et en plus, il a joué la star avec José Garcia. Ouais. Christophe, faut arrêter ou consulter? Ah, je sais pas. Allez, c'est parti. Rien. People Police, Beaugrand de Beco. Ça va pas. Et maintenant, le document d'Inside, Palm Springs, l'oasis mythique. À 2h30 seulement de route de Los Angeles, Nico, c'est un havre de fraîcheur. Au milieu du désert brûlant de Californie, des piscines turquoises, des maisons gigantesques, des avenues bordées de palmiers, des voitures magnifiques. Palm Springs, c'est ce qui l'a emporté sur tout le reste. Alors que Palm Springs fête cette année ses 75 printemps, plongé au cœur de ce refuge où les stars viennent vivre comme dans les 60s, le reportage est signé Julie Robert et Cédric Corr. Voilà, 50 minutes inside, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Mais qu'est-ce que vous faites, là? This is the voice, nanana. Dans quelques instants. Mais la demi-finale. Ça va être super. Bah, on compte sur vous. Et puis, quand est-ce que vous allez venir chanter? Alors, je vous ai dit déjà 2015, 2016, je sais pas. En attendant, je vous fais des bisous à vous. Et à la semaine prochaine. Bisous. Bisous, bye bye.